Au bout de la rade, le sol se creuse à plusieurs centaines de mètres. C'est un des plus beaux sites de plongée du monde. Nous sommes à Villefranche-sur-Mer. Alice Modolo a quitté son Auvergne natale pour s'installer à Nice, juste à côté, pour descendre le plus souvent dans cette fosse extraordinaire. Quand je regarde au loin comme ça et que je vois cette immensité bleue, ça me donne envie de rêver à l'infini. Ce miroir me donne envie de m'immerger et c'est l'appel des grandes profondeurs. Alice Modolo est aujourd'hui la meilleure plongeuse française. Elle ne cesse de descendre toujours plus bas. 70 mètres, puis au-delà des 80 mètres, et peut-être un jour 100 mètres, la barrière mythique de tous ceux qui se glissent dans les profondeurs. Pour y parvenir, elle nous racontera comment elle s'entraîne, ce qu'elle fait au quotidien pour descendre toujours plus bas. Ses séances en mer, en piscine, sa préparation physique, comment elle prépare son corps à résister à la pression des profondeurs. C'est avec elle que nous allons faire ce grand voyage à la découverte du monde de la plongée. Tout d'abord, une étape parisienne s'impose au salon annuel de la plongée. C'est l'occasion d'y rencontrer celui qui a donné envie à beaucoup de plongeurs de retenir aussi souvent et aussi longtemps leur respiration. Aujourd'hui, comme Alice Modolo, Jean-Marc Barre est un des ambassadeurs de la Fédération française. Depuis Le Grand Bleu, l'acteur iconique qui incarne le légendaire Jacques Mayol dans le film n'a jamais quitté le monde de la plongée. C'est un ambassadeur actif et un pratiquant passionné. Quand on peut tenir à 30 mètres et il n'y a personne autour de toi, tu es dans ce Grand Bleu, tu n'es rien. Et quand tu sais ça, tu es tout. Quand tu remontes, tu sais ce que vaut la vie. La participation du film Le Grand Bleu, où j'étais un peu un emblème, ce qui a déclenché pour l'apnée quelque chose de très grand. Ouais, je suis très fier de le connaître, cet art, cet sport. Beaucoup de plongeurs, et pas seulement les apnéistes, se sont découverts leur passion pour la mer à travers Le Grand Bleu. C'est le film mythique par excellence, c'est celui qui a porté toute une génération à nous rejoindre. Le film est sorti en 1988. La fédération, qui avait déjà 40 ans, avait pris le nom de Fédération française d'études et de sports sous-marins. La CMAS, la fédération internationale, est née quelques années plus tard, avec le commandant Cousteau comme premier président. On est un grand pays de l'apnée, c'est un véritable boom. Nous avons une croissance exponentielle des pratiquants d'apnée. Pas seulement pour les grands champions, mais parce que c'est une activité minimaliste. On est dans la glisse, dans l'équipement minimum, dans le retour à la nature, dans la connexion entre la nature et l'être humain, et c'est tout à fait dans les valeurs actuelles. La fédération compte aujourd'hui 330 000 pratiquants, dont 141 000 licenciés, avec surtout un nombre important de structures d'accueil et de moniteurs diplômés. Il existe au total 15 activités bien distinctes, qui ont toutes pour point commun l'élément eau, bien sûr, et l'utilisation de palmes. Il y a des activités de loisirs, comme la plongée en bouteille, des activités culturelles ou scientifiques, comme la photographie ou l'archéologie sous-marine, des activités plus sportives, la nage avec palme, en piscine ou en environnement naturel, de l'orientation, du hockey, ou encore du tir sur cible subaquatique. Et enfin l'apnée, en statique, près de 9 minutes pour le record français, et en dynamique en piscine, 300 mètres pour le record. Enfin, la discipline emblématique, l'apnée en poids constant. Pas de gueuse comme dans Le Grand Bleu. L'apnéiste comme Alice Modolo descend et remonte à la seule force des muscles des jambes et des bras. Retour sur la Côte d'Azur, dans le port de Nice, au cœur de l'hiver. C'est notre première étape dans le suivi de l'entraînement d'Alice Modolo. Elle se prépare à rejoindre la baie de Villefranche avec d'autres plongeurs qui tour à tour assureront sa sécurité. Quatre personnes la surveilleront en permanence, prêts à intervenir en cas de problème. En début de saison, on va travailler
plutôt sur des petites profondeurs pour s'acclimater, puisqu'on a des combinaisons plus épaisses, donc on va travailler techniquement. Par contre, plus on va aller proche des échéances, plus on va réduire la séance d'entraînement pour se focaliser que sur une descente, et ça va être une descente profonde. Les équipes ont tiré le filin sur 20 mètres. Pour cette séance hors saison, l'objectif du jour est principalement de répéter les gestes techniques. Les températures extérieures sont assez fraîches, donc dès l'instant où on se met sous l'eau, le contraste est moins violent et il fera plus chaud sous l'eau, donc ça va être super. Monopalme pour cette sortie, combinaison à 7 mm pour le haut, 5 pour le bas. Elle se leste plus que d'habitude, 5 kg contre 2 ou 3 habituellement, pour augmenter la difficulté de la séance. Toujours, je prends le temps de, même si je suis une plongeuse expérimentée maintenant, de vraiment échauffer comme un muscle mes oreilles, ma cage thoracique. Je vais en douceur, vraiment très lentement, je m'immerge dans l'eau en me tractant le long du filin, vraiment en douceur. Et une fois que j'ai fait 2-3 fois cet exercice, je me permets voilà, de chausser la palme et d'aller taquiner un peu plus les profondeurs. Le rythme est soutenu. Lors de cet entraînement, Alice Modolo effectue une vingtaine de descentes à 20 mètres. Pour descendre dans les profondeurs, il faut beaucoup de souplesse, mais également de la puissance. C'est le grand écart que doivent faire les plongeurs dans leur préparation. J'ai choisi le crossfit pour me préparer physiquement parce que je trouve que je vais y trouver donc l'endurance, la force, l'explosivité, mais aussi un gros travail de proprioception, de coordination qui sont hyper importants pour nous dans nos descentes. Ces exercices de squat sont la base du travail physique des plongeurs. Pour descendre, quelques mouvements suffisent pour atteindre les 30 mètres et amorcer la chute, le free fall. L'effort le plus violent est à la remontée. Alors que l'oxygène se raréfie, il faut des jambes puissantes, d'abord pour s'arracher du fond, et ensuite pour rejoindre la surface. Pour me donner du courage quand donc j'ai cette barre qui est lourde et qui me demande de tenir, je me projette en mer. Et inversement, quand je suis dans l'eau, je me remets dans la salle de crossfit et je me souviens de ces moments que j'ai partagés avec tous mes coéquipiers et ça me donne beaucoup de force. L'exercice du jour, un enchaînement de 400 mètres et de soulevés de barre avec une trentaine de kilos.
On a besoin d'être fort physiquement, d'être gainé et d'avoir vraiment une condition physique satisfaisante. Et en même temps, cette souplesse et ce lâcher prise qu'on doit avoir sous l'eau. Et donc là, je vais le chercher au travers du yoga, qui m'apporte beaucoup de relâchement, de lâcher prise et qui travaille énormément mon souffle, ma respiration et ma souplesse. Inspire dans ton côté gauche, expire de ton épaule gauche. Tous les exercices qu'on peut réaliser au niveau du diaphragme, l'assouplissement de la cage thoracique, du diaphragme, ça c'est des exercices que j'effectue moi seule spécifiquement. Malgré tout, on le travaille puisque tout au long de nos postures, on va venir compliquer la posture en rentrant notre ventre comme ça. Et donc ça me permet aussi de le travailler spécifiquement dans le yoga. Je me suis rendu compte que je ne savais pas si bien gérer mon souffle, ce qui peut paraître paradoxal, puisque je passe mon temps à gérer ça. Et ça m'a apporté énormément dans ma discipline. Je me sens beaucoup plus à l'aise et dans ma vie de tous les jours aussi, beaucoup plus ouverte. Une fois qu'on est sous l'eau, en fait, on a ce lâcher prise, on se laisse happer par ce qu'on est en train de vivre et c'est comme ça qu'on réussit notre plongée, c'est être dans l'instant présent. Donc j'ai jamais, au contraire, je me laisse vivre pendant la plongée. Par contre, quand on est voilà, allongé sur le dos, prêt à partir, là, on sait qu'on va se retrouver seul, on sait qu'on va se retrouver dans des conditions qui ne sont pas les nôtres et on sait qu'il faut qu'on soit fort mentalement pour oser basculer dans l'autre univers. Pour aller plus loin, plus profond encore, Alice Modolo se rend régulièrement à la garde près de Toulon. Elle a décidé d'ajouter à son planning d'entraînement des séances avec un préparateur mental, un thérapeute par hypnose. Salut Alice. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses en même temps. Les plongeurs en parlent d'une même voix. Dans les profondeurs, toutes les blessures de la vie, les doutes, peuvent ressurgir à tout moment. Chaque plongée est un véritable voyage intérieur. Les 100 mètres, elle les a déjà. Ils sont déjà là, les 100 mètres. C'est juste à elle de le réaliser, et c'est juste à elle de trouver le bon chemin pour y aller. En fait, moi, souvent, c'est comme ça que j'explique la thérapie, et même la prépa mentale à tous les gens que je forme. C'est que notre métier à nous, un thérapeute, il est simplement là pour sécuriser la personne, pour qu'elle se confronte de manière autonome à ce qui l'a fait peur, à ce qu'elle a à dépasser, à sa connaissance d'elle-même. Voilà, c'est que ça, entre guillemets, que je fais, et c'est là-dessus que j'essaie de l'emmener. Je veux me renforcer mentalement et pouvoir plonger avec légèreté, facilité et plaisir et garder toujours cette envie parce que il faut que ça reste un plaisir. Toute sa préparation, Alice Modolo l'effectue seule. Pour la première fois, elle rejoint d'autres apnéistes lors d'un stage de l'équipe de France à Mulhouse. On a décidé de vous refaire un rapide historique. On parlera ensuite des nouvelles modalités de sélection championnat de France. Pour ce stage, la fédération a souhaité réunir les différentes disciplines. Les plongeurs en poids constant, également ceux qui évoluent en piscine, en apnée statique ou en apnée dynamique. Il a deux buts. Le premier, c'est de rassembler l'équipe de France dite de piscine et celle d'eau libre en apnée et faire de la cohésion de groupe. Le deuxième est de s'ouvrir sur des compétences externes, donc intervention d'entraîneurs qui sont dans le champ de la nage avec palme, qui est une discipline de haut niveau, et surtout un podologue qui va travailler sur un axe qui me semble majeur, c'est-à-dire la propulsion, c'est un des facteurs premiers de la performance, et donc corriger, apporter des éléments, individualiser les palmes auprès de chacun des athlètes. La température extérieure est négative. Pour débuter la journée et pour créer un peu plus de liens entre des athlètes qui parfois ne se côtoient pas le reste de l'année, le préparateur physique Christian Vogler a organisé une séance de réveil musculaire en mode parcours du combattant.
On aime beaucoup se retrouver en groupe parce que c'est vrai que c'est un sport très individuel et de le vivre comme ça en groupe, de partager nos expériences, ça nous redonne beaucoup d'énergie et c'est vraiment essentiel dans notre parcours, dans notre préparation. Pour la séance d'entraînement en piscine, l'entraîneur de l'équipe de France, Arnaud Ponche, a prévu un travail spécifique sur le palmage. Pour le début de la séance, échauffement de routine pour les apnéistes. Nage sur quelques mètres suivi de coulées. Puis une quinzaine de longueurs sous l'eau, avec une courte récupération tous les 25 mètres. Interviennent ensuite les deux experts invités par l'équipe de France, Marine Grosjean, spécialiste de la monopalme, et Alexandre Gély, podologue. Marine Grosjean, championne du monde en 2007 du 6 km, transmet toute son expérience de nageuse longue distance. Avec Alexandre Gély, podologue, mais aussi posturologue du sport, c'est une nouvelle expertise qui est proposée aux athlètes. Allez, c'est parti. On voit bien que tu descends, tu es droit, quoi. Ça, c'est sûr. Mais je pense que ça vient du bassin, en fait. Oui. Dès que les fessiers sont... Mais quand tu marches, tout à l'heure, je te disais que tu avais le bassin gauche qui était en tête pulsée. Pendant ce temps-là, Alice Modolo aligne les longueurs. Allez, Alice ! Allez ! Qu'est-ce que tu veux comme plâtre ? Alice ! Allez ! L'équipe de France quitte la piscine. Alice Modolo reste encore quelques instants pour quelques coulées, juste pour le plaisir. C'était la première fois que je réalisais un stage avec l'équipe de France et ça m'a plu et donc j'ai hâte d'en faire un prochain. Pour cette dernière étape de notre voyage dans le monde de la plongée, nous retrouvons Alice Modolo dans le port de Villefranche. Nous l'avons suivie dans le quotidien de sa préparation. Elle nous fait partager maintenant toute la magie d'une plongée. De la technique, de la vigilance, du plaisir et des sensations extraordinaires. C'est un voyage de plus de 3 minutes. À couper le souffle. Dès l'instant où je me mets dans l'eau, il se passe quelque chose. Ma montre se met à sonner, c'est un petit bruit qui m'immerge dans mon univers. J'ai deux plongées d'échauffement et après je sais que je suis prête et la plongée elle commence véritablement quand je suis allongée sur le dos, que j'entends le décompte et que là c'est les dernières secondes pour m'immerger dans mon monde et lâcher prise. Dès que j'entends le top officiel, je prends ma dernière inspiration et je sais que je vais passer dans une autre dimension. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand j'amorce ma plongée, donc je fais mon canard et là je commence à faire une dizaine de battements pour m'arracher de la surface de manière assez intense. À peu près vers 18 mètres, quand j'entends mon ordinateur de plongée que j'ai placé dans la cagoule sonner, je vais venir chercher l'air de mes poumons que je vais venir placer dans mes voies aériennes supérieures. Je vais pouvoir descendre et utiliser cet air tout au long de la descente pour équilibrer mes oreilles.
une fois que j'ai créé ce réservoir, je refais un ou deux battements et je me laisse partir, puisque à cette profondeur-là, aux alentours de 30 mètres, je suis aussi dense et lourde qu'une pierre, et donc je me laisse couler, puisque je coule toute seule. Je vois les maîtres défiler. C'est vraiment un voyage sensoriel, puisque la température de l'eau change, l'eau devient de plus en plus froide, l'obscurité aussi nous gagne, et donc je me laisse aspirer tout au long de cette chute libre par les maîtres, et toute mon attention est rivée sur mon relâchement et la compensation de mes oreilles. Mètres avant ma performance finale, avant de toucher le tag, j'ai mon alarme qui sonne, qui me permet aussi de me préparer pour le virage. Il faut être assez vigilant, parce qu'on risque aussi de se blesser les poumons, on subit une telle pression qu'il faut faire un geste très doux et pas avec une grande amplitude. Et donc je ramasse ce tag et je commence à relancer le palmage, et donc là les jambes travaillent de manière très intense. Je reste sur cette sensation de victoire, de j'ai attrapé le tag, et je me nourris de ça pour faire les 50 premiers mètres. Je commence à sentir mes jambes. Et là commence un duel entre mon corps et mon esprit, où mon corps commence à me montrer des signaux d'alarme et commence à m'alerter. Et du coup, mon mental doit reprendre le contrôle, mon esprit doit rassurer finalement mon corps. Et dès l'instant où je reprends le contrôle de la situation, mon corps se calme, les contractions s'espacent un petit peu, mais mes jambes sont lourdes, hein. Je sens vraiment que malgré tout j'ai fait un effort, et je me concentre sur les apnéistes de sécurité qui vont venir me rejoindre. Et quand ils me rejoignent, je sais que la performance est vraiment sur le point de s'achever. Donc de nouveau, j'ai un élan assez positif, et je me dis ça y est, mes coéquipiers sont plus très loin, je vais pouvoir sortir de l'eau et fêter ça avec eux. On se sent très très bien à un mètre de la surface, mais dès qu'on prend la première inspiration, c'est vraiment un électrochoc. Si on n'est pas bien préparé, on peut perdre le contrôle et partir finalement en syncope. Quand on a repris pied, on a l'impression un peu de se réveiller. Il s'est passé tout un tas de choses. C'est vraiment ça, on se réveille en sursaut d'un rêve. On ne sait pas trop si on est encore dans le rêve. On a envie d'y rester, mais en même temps, tout nous amène à en sortir. Donc on regarde un peu des visages connus. Et puis ça y est, on commence à comprendre qu'on a réalisé la performance, que c'est un nouveau record de France et que c'est fait. On en revient grandi, on en revient changé, épanoui, évolué. C'est vraiment quelque chose qui me permet de me découvrir, de me révéler. Et pour moi, c'est incroyable. Ouais.